J'ai trop la rage, j'ai pris le caractère de mon père. J'ai pris le rap en otage, tous vos rappeurs m'ont l'air des idées fous. Comme je te braque et je prends du cash, côté passage, je veux ma mère, je veux l'emmener loin des orages. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas l'assez. Wesh équipe, bon bah c'est parti pour une petite vidéo actu du mardi. Et si on peut mettre un petit pouce bleu, ça ferait vraiment plaisir l'équipe. Et c'est parti. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité, on va parler de Jul. Puisqu'en gros, il y a l'album de Jul qui s'appelle La Route est longue, qui vient d'être certifié double disque de platine, avec 200 000 équivalents en vente. Donc ouais, vraiment, félicitations à lui. C'est vraiment une machine. Ensuite, il y a Seb l'Afrique qui a réagi par rapport aux législatives. Et hier, on a vu qu'il y avait Squeezie qui avait réagi et d'autres personnes. Et là, il y a Seb l'Afrique qui a dit, il y a des news qui donnent le smile. Et il a mis des cœurs. Et ben, c'est par rapport aux résultats d'hier. Ensuite, il y a un gros personnage de Gazo qui a été réalisé. Et je ne sais pas si c'est pour un de ses concerts ou un concert aux Ardentes. Mais bon, c'est vrai que pour le coup, le personnage, il lui ressemble pas trop, tu vois. Mais bon, je trouve ça quand même stylé. Et ça me fait penser un petit peu à Travis Scott, il me semble. Si je suis pas fou, il avait fait un gros délire comme ça, où il était en géant. Ou alors c'était dans Fortnite, peut-être que je comprends. Bref, mais en tout cas, Gazo, justement, ben, il va faire justement son personnage à son effigie. Et je sais pas si c'est ben, pour un de ses concerts ou le concert aux Ardentes, comme je vous ai dit. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Ensuite, ça, je m'y attendais pas du tout. Il y a eu un clash entre Mohamed Henni et Ibra TV qui a eu lieu sur Instagram. Et c'est par rapport à une vidéo que Mohamed Henni, il a mis sur ses réseaux. En gros, ben, il cassait une télé, tu vois. Et il y a Ibra TV qui a dit « C'est facile de juger depuis ton canapé. » Et il a mis un emoji qui le regarde de travers. Et Mohamed Henni, il a dit « Facile de faire des octogones qu'avec des youtubeurs. » Et Ibra TV, il a dit « Fais pas le malin. » Et Mohamed Henni, il a dit « Octogone ?» Point d'interrogation. Et Ibra TV l'a dit, quand tu veux, je te casse comme la TV. Et voilà. Donc je sais pas si c'est sérieux, tu vois. Mais bon, j'ai été vérifié. Ibra TV, il suit toujours Mohamed Henni. Donc voilà, je pense que c'est un truc qui est monté entre les deux. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Puisqu'il y a Mohamed Henni qui a réagi en story en acceptant l'octogone, tu vois. Bon, d'abord, il faisait un petit peu, c'est genre, il avait peur. Et ensuite, il a dit comme quoi il acceptait. Donc, ouais, je sais pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Vraiment, le destin. Il y a quelques mois, j'ai acheté ce t-shirt sans aucune conviction. Je sais pas pourquoi, les gars. Maintenant, je sais pourquoi. Mon destin, il est tracé. C'est écrit. À la base, je voulais pas le faire, ce combat de MMA. Hein, je suis même allé en privé pour te le dire, Ibra TV. Je lui ai dit en privé, je rigole, c'est bon, c'était pour rigoler. Il me dit, non, 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 il n'y a pas de rigolade, viens, on se bat, bagarre. Il veut la bagarre, il n'y a pas de souci, t'auras la bagarre. Mais t'as tout à perdre, Ibra TV. Parce que moi, au pire, si je perds, on dira quoi? Momo, il a porté ses... Mais toi, si tu perds contre un mangeur de tacos qui n'a pas de cardio et qui n'a pas d'endurance, c'est fini pour toi. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Et le MMA, c'est pas comme la boxe. Le MMA, c'est un humain vs un humain. J'ai peut-être un corps de patate, mais en une seule patate. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Et le MMA, c'est pas comme la boxe. Le MMA, c'est un humain vs un humain. J'ai peut-être un corps de patate, mais en une seule patate, je peux le mettre KO. Donc il n'y a pas de souci, bras. On va le faire, ce combat. S'il faut aller jusqu'au combat, on ira jusqu'au combat. Il n'y a pas de souci, je suis prêt. Je suis prêt, Ibra. J'attends l'heure, le jour, la date. Octogone sans règle. J'attends, c'est moi j'attends maintenant. La peur a changé de camp. Je lui dis non, pas besoin d'aller aussi loin. On rigole. Et le mec, il insiste. Non, on fait le bagarre, on fait la bagarre. Il n'y a pas de souci. L'heure, la date, le lieu. J'attends. Je vais m'entraîner. Bon, déjà, peut-être qu'il va pas accepter, les gars. Parce que maintenant que c'est sérieux, maintenant que c'est moi qui lui dis envoie la date, l'heure, le lieu, hein, on verra s'il répond maintenant. Il est où, Ibra, hein? Y a plus personne, y a plus de réseau ou quoi? Ensuite, on a Tchakola qui a annoncé la sortie d'un nouveau projet qui va s'appeler Bienvenue dans le M volume 1. Et c'est disponible bientôt. Et on peut voir qu'il y a plusieurs invités sur son projet. Il y a Lims, Oscro, Riflo, Merveille, Prototype, Saro, RN Boy, RSKO et Tchakola. Et d'autres, quoi. Donc ouais, c'est un projet qui est bientôt disponible. Ensuite, il y a quelques jours, je vous ai parlé du rugbyman Melvin Jaminet qui a fait polémique par rapport à ce qu'il a dit en vidéo et qui s'est excusé en disant comme quoi ben, il était alcoolisé, tu vois. Sauf que ça n'excuse en rien. Il a eu des propos complètement racistes. Et là, ben, il y a des moines qui a réagi en vidéo par rapport à ça. Et il a passé un message. Et ben, c'est en train de tourner un petit peu partout. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez. Alors, on va t'appeler Melvin le r*** de Jaminet. Hein, Melvin le gros rap, le premier rap, je crois, j'ai eu ma toute place. Vous avez vu, des propos scandaleux qui tiennent. Normal, mon frère, espèce de sale p***.
plus le pire, c'est que tu vas t'excuser comme une. La fédération t'ont déjà viré, c'est pas fini. Tu vas juste comme une. Pardon, pardon, espèce de raciste. T'es démasqué. Vous avez vu, hein, Melvin Jaminet, regardez. Bah alors, Jordan, tu croyais que ça allait se terminer la soirée en champagne? En fin de compte, ça s'est terminé au paquet de campagne. Vous êtes trop marrant, vous faites les mecs contre l'antisémitisme, mais de l'autre côté, vous êtes des gros partis créés par les nazis, par les fachos. On a bien rigolé en tout cas hier soir. Celle-là, c'est pour Cyril Hanouna. Franchement, barre-toi, tu vas dégager ton émission, tes chroniqueurs et tes invités maintenant qui sont représentants du RM. Franchement, t'étais bien au début, hein. Franchement, t'as retourné ta veste, t'es plus le même. T'es devenu une vraie comme eux. Tu vas faire la bise aussi à Jovan Bardella, comme ton pote Meyer Habib. Vas-y, va lui b***er les pieds même. Espèce de toi aussi. Ensuite, on a Lims qui est de retour et il a dévoilé la tracklist de son nouveau projet qui va s'appeler Mentalité Bara et c'est disponible pour ce vendredi. Ensuite, il y a quelque chose qui se prépare entre La Fine et La Crime. En effet, ils ont été aperçus ensemble en studio. Donc, je sais pas si c'est un featuring, mais en tout cas, généralement, ben, ils sont pas dans un studio pour se tourner les pouces, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un son qui devrait arriver entre les deux et j'ai hâte d'écouter ça. J'en suis déjà à 8 points en Bouddha Bar. Ensuite, il y a Sébastien Delogu qui a laissé un message à Cyril Hanouna. Puisque je rappelle que Cyril Hanouna, il a dit que si le LFI passait au pouvoir, il allait quitter le pays et quitter TPMP. Et ben là, on peut voir que Sébastien, il a dit. Oh Cyril Hanouna, j'espère que tu es un homme de parole. Point d'interrogation. Et on peut voir que Hanouna, il a répondu en disant. Mais tu sais lire des résultats, LFI a gagné. Allez mon Seb, va réviser tes calculs mentaux. Et je t'invite à la rentrée pour la première. T'es le bienvenu. Et pars en vacances un peu, ça va te faire du bien. En gros, ben, il y a Booba qui a réagi en disant « Cyril Hanouna, tu perds ton sang-froid, mon baba. À la rentrée, ton émission pro-extrême droite ne sera plus en direct. Puni comme un sale gosse. Tu coûtes trop cher à la chaîne. » Et c'est un message qui est en train de tourner un petit peu partout, tu vois. Parce que, ben, il y a des personnes, plusieurs personnes, vraiment la moitié de la France, dont vraiment tout le monde, quoi, qui ne veut plus de Cyril Hanouna à l'antenne, de TPMP, etc. On veut d'autres émissions, on ne veut plus de TPMP. Et personnellement, je suis d'accord justement avec tout le monde, quoi. Et juste après, Booba, il a laissé un message à Poupette Kenza. Il a dit, elle doit moins rire, là, en train de manger la barquette, avec ses grosses gencives de dinosaures. J'espère qu'ils vont tous payer ces démons, sans âme. L'animateur et le sorcier aussi. Patience. Trois petits points. Et juste après, il a publié ben, cette photomontage de Poupette Kenza et il a écrit Poupette El Shkobar. La prison, ça change un homme. Et il a mis un drapeau pirate. Et juste après, il a dit extradé vers les États-Unis, la toile est sous le choc. Hashtag Shokbar Mafia. Et il a mis un drapeau pirate. Et il a publié ben, ce montage de Poupette Kenza. Et il fait référence à ce que je vous ai parlé ben, dans ma dernière vidéo actu. En gros, Poupette Kenza a été arrêté pour extorsion. Et je vous invite à aller voir la vidéo pour tout comprendre. En gros, pour récupérer ben, 350 000 euros, elle a monté tout un stratagème avec une personne justement ben, qui a été engagée. Bref, c'est une dinguerie. Je vous invite à aller voir ma vidéo, les gars. Cyril Hanouna avait promis qu'il quitterait la France si le nouveau Front Populaire gagnait. Malheureusement, il doit rester en France parce que le 5 septembre qui arrive, il est convoqué devant le tribunal correctionnel pour injure envers une personne chargée d'une mission de service public. Après que j'ai tenté de critiquer Bolloré et m'a insulté, ma plainte a fait son chemin et il est convoqué devant le tribunal. Quelle belle journée. Ensuite, demain à midi, il y a une interview Le Coq qui est prévue sur la chaîne de Mehdi Mezi. Et en gros, ben, il a invité Aketo du groupe Sniper. Et pour le coup, j'ai hâte de voir l'interview. Et c'est disponible demain à midi. Entre cette période-là, faft, j'imagine, d'un groupe qui fait des tournées big clip, etc. Enfin, big clip, non, pas tant que ça, d'ailleurs, l'équipe. Big single plutôt, parce que Gravé dans la Roche n'a pas de clip. Et la vie que t'as maintenant de rappeur underground qui a l'air libre, qui sort des projets, qui tourne avec Tunisiano, etc. Laquelle est la plus cool à vivre? Alors, franchement, largement celle-ci. Ok. Il n'y a pas de nostalgie de cette période-là? Si, bien sûr, j'ai de la nostalgie, c'est des bons souvenirs. Okay. Mais, je l'ai déjà dit plein de fois dans des conversations, voilà, je ne sais pas si je l'ai déjà dit en interview ou quoi, mais la période de Sniper où ça marche fort pour nous, j'ai l'impression que je m'en souviens et tout, mais c'est un peu flou. Okay. Et ça va trop vite? Ça va trop vite, c'est pas... alors j'en suis content, j'en suis fier, c'est... Ah, je viens de là, c'est ce qui a fait que, c'est ce qui fait que je suis devant toi. Ouais. Mais c'est pas une période que j'ai particulièrement, enfin, je kiffe plus cette période-là, là. Ça allait trop vite, en fait. Ouais.
ça va être vite et un groupe, c'est plein de concessions. Des fois, tu te retrouves à faire des trucs voilà, que tu n'aurais pas. Voilà. Ouais. J'avais pas spécialement envie de faire. Mais ça a été formateur. C'est comme, ça fait quand même partie des meilleures périodes, enfin, des meilleurs souvenirs de ma life. Mais là, je me sens. Je suis plus à l'aise dans mes pompes aujourd'hui, ouais. En fait. À l'époque, en plus, j'étais. Moi, je me cachais un peu derrière le groupe. J'étais beaucoup plus introverti que maintenant. Ouais. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. J'ai trop la rage, j'ai pris le caractère de mon père, j'ai pris le rap en otage, tous vos rappeurs m'ont l'air des idées fous. Comme je te braque et je prends du cash, côté passage et je veux ma mère, je veux l'emmener loin des orages. Voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actualité. Si jamais vous avez de l'actualité vous-même et que j'en ai pas parlé en vidéo, n'hésitez pas à me l'envoyer en privé, comme ça je pourrai directement en parler en vidéo. Et puis cette intro, ben, je la mettrai directement dans plusieurs vidéos, tu vois. Donc pour les personnes qui sont intéressées, ça se passe directement sur Instagram, sur Snapchat et puis voilà. Puis sinon, ben, je te dis à sort pour une autre prochaine une vidéo et une nouvelle exclu. Et j'ai rien à rajouter l'équipe, j'ai encore une fois plus d'air et il faut que je respire, donc peace the game. Sur l'entier, y'a l'ancien qui fait chier. À l'affût sur les tiers, car par ici ça peut tuer. J'ai 2-3 que trucs à gérer, représenter ménager. Tu peux me croiser à Pat ou bien dans un Toyota, c'est un. J'ai des armes automatiques à la Joe Petit. Là c'est l'art des ouvrages à la Joe Petit. Des clients en Europe à la Joe Petit. Mes sacs de sport remplis de liquide à la Joe Petit. Tu sais très bien qu'on revient loin, mon loulou, c'était juste hier. Le 2 y'a le Pôle emploi, le 5 reste déjà que le NIA. Quelle misère. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Zina, Golo Shalla Belvé, le cœur est fraster, c'est. On opère en TN, on opère sans PN, des atroces CN au fond de mon checker. Je regarde pas la télé, je veux pas y passer. Si je prends un bon billet, tu me verras, tu pars. Je passe ma vie dehors, on a cherché les sous tard le soir avec la double T. Un jeune Gaouri qui sort du bubble T. Je m'y voyais pas comme ça quand j'étais plus petit. Oh, laisse pas traîner ta petite sœur, si tu veux pas qu'elle glisse. Ça vend du shit comme Alicat, ses os ventrés, tu réglisse. Qui blisse, nous joue des tours de magie. Il se m'emploie comme la CKJ. On entend dans le flag, ça sert les schlags en survêt de basket. Sans pas les couilles d'avoir du swag.